Quevilly Rouen 8e accueille Bastia 11e, deux équipes à égalité de points. QRM en bonne forme, les Normands restent sur 3 victoires de suite sur le même score, 2 à 0. Bastia reste également sur une bonne série, 2 victoires de suite sur le même score également, 1 à 0 à chaque fois. Les Bastiais sortent également d'un match de Coupe de France difficile mais victorieux. Les Corses se sont qualifiés sur le terrain d'Evreux, équipe de National 2, au tir au but. Bastia affrontera Lorient, équipe de Ligue 1 Uber Eats, en 16e de finale. Première possibilité pour Bastia sur ce centre, une déviation à bout portant et la parade de Lemaître. Miguel Alfarella n'a pas réussi à marquer. QRM passe donc à l'attaque, tentative de loin, c'est sauvé par Johnny Placide. Mais l'action n'est pas terminée car Bastia a du mal à se relancer. Un dégagement complètement loupé, l'interception normande et le but de Louis Mafuta. 1-0 pour Quevilly Rouen à la 16e minute. Le 7e but de la saison pour Mafuta. Les Corses se plaignent, mais aucune faute n'est vue. Belle a pu intercepter et servir Mafuta pour ce but très important. Le but du 1-0 pour les Normands. Quelques maladresses bastiaises ont coûté cher. Mais il reste encore énormément de temps dans ce match. Et Bastia part tout de suite à l'attaque pour égaliser. Une tentative de loin. C'est raté de peu par Tavares. Le match est assez équilibré. Pressing Bastiais. Erreur dans la relance de QRM. Et c'est manqué de très peu. Incroyable occasion pour les Bastiais. Une chance immense de marquer pour Miguel Alfarella. Le pressing de Santelli était bon. Alfarella est bien présent. Il dépasse Lemaître mais ne parvient pas à conclure l'action. Retour de justesse en défense de Sissoko. Quevilly Rouen a eu chaud sur cette action mais mène 1-0 à la mi-temps. Les Bastiais ont pris confiance grâce aux quelques situations qu'ils ont eues, notamment cette dernière énorme chance. Ils reviennent du vestiaire avec de bonnes intentions. Et ça se voit, ils vont tout de suite de l'avant. Avec ce ballon donné légèrement en retrait pour enchaîner avec un centre dans une bonne zone. La passe de Caïboué pour trouver Benjamin Santelli. L'égalisation de Bastia à la 49e minute. Deuxième but de la saison pour Santelli. Les Corses sont récompensés de leurs efforts et reviennent complètement dans cette rencontre. Le centre est bien enroulé. La reprise du genou au premier poteau. Lemaître est surpris. Il ne parvient pas à s'interposer. Il reste encore un petit peu de temps dans le match. Attention à ce contact très rugueux, trop rugueux pour l'arbitre. Balthazar Pierret y est allé de toute sa puissance. Il prend un carton rouge à l'heure de jeu. Quevilly Rouen doit terminer à 10 pendant la dernière demi-heure. Et plus trop d'opportunités dans cette partie. Un but partout entre Quevilly Rouen et Bastia.